le chef d'état-major de l'armée de terre, le 6 septembre 2019, Monsieur Mahamat Souleymane a multiplié des rencontres avec les autorités administratives, coutumières et ses collaborateurs militaires. Ces différentes rencontres ont abouti à des créations de 6 secteurs, à savoir le secteur de Gosbelda, Abdi, Kerfi, Adé, Anjarima et Tissi. Des chefs de secteur ont été désignés pour mener des opérations de rassemblement des armes. Distingués invités, mesdames et messieurs, la volonté, le courage, la détermination et la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité et surtout la volonté des chefs de canton nous ont permis, en l'espace de 2 semaines, de rassembler ce que vous avez devant vous. Il s'agit de 1041 armes de toutes catégories et de tous calibres confondus. Voilà un résultat très satisfaisant. Et il nous reste encore 3 mois pour la même mission. Il faut vous dire que les opérations se sont passées, à savoir, sans incident, pas de dégâts majeurs, pas de vols, pas de perturbations, etc., etc. Aussi, faut-il le signaler que les coupeurs de route ont fui la zone. Les bandits des grands chemins sont partis disparus dans la nature. Les voleurs de bétail ont cessé leurs pratiques. Nous vivons aujourd'hui un calme un peu partout. La remise volontaire des armes continue. La bonne volonté et le respect se font sentir entre tous les citoyens de la province. Nous disons courage, félicitations, merci et bravo à nos forces en opération dans les différents secteurs. Nous leur demandons aussi d'aller en avant et à continuer à faire un bon travail. Vous avez mérité, mes chers combattants, vous l'avez mérité, car vous n'avez pas failli à votre mission. Pour ce faire, nous tenons à remercier une fois de plus toutes les autorités administratives et surtout le préfet d'Abdi qui avait pris le dessus de l'opération physiquement et politiquement. Vous l'avez vu le témoignage tout à l'heure. Nous remercions particulièrement et singulièrement son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Sylla.